Salut à tous. Alors, je viens de faire un exercice très intéressant à Cathy. Donc la participante du stage d'aujourd'hui, stage en forêt, comme vous pouvez le voir. Et j'ai envie de le mettre en vidéo parce qu'il est vraiment, vraiment super cool. Et tout le monde vraiment peut le reproduire. Donc voilà, vous allez venir un peu avec nous dans le stage. Ok Cathy, donc rebranche-toi sur le lieu. Repose ton attention sur le lieu. Ok. Et comme tout à l'heure, choisis un partenaire de jeu. Celui qui vibre bien pour toi. Le partenaire qui vibre bien pour moi. Ok. Par rapport à l'exercice précédent, donc porte ton attention sur cet arbre. Et tu vas aller toucher un endroit qui t'attire. Et une petite branche, tu reposes ton attention sur cet endroit. L'endroit précis que tu as choisi sur l'arbre. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Donc quel est le lien? Et qu'est-ce que ça provoque en toi? De la robustesse. De la robustesse, parfait. Donc ça c'est... quel est le lien? Un lien de robustesse, c'est ça? Qu'est-ce que ça provoque en toi? D'accord. Quelle est l'intention? Le premier mot qui vient. Parfait. Tu vois que tu viens de poser, comparé à l'exercice précédent, où tu as posé ton attention sur une intention et ensuite tu es allé toucher à l'extérieur. Là, tu vas toucher à l'extérieur et ça te pointe une intention. C'est toujours le lien intérieur-extérieur. Mais à la base, tu pars de l'intérieur et là, tu pars de l'extérieur. Ok. Tu vas refaire le même exercice, mais avec un autre partenaire de jeu pour le coup. Voilà. Donc voilà à peu près l'exercice que je propose. Pas un des nombreux exercices parce que je crée l'exercice en fonction du groupe ou de la personne, pas du groupe de personnes que j'ai en face. Donc il y a des exercices que je peux recouper, que je peux reconstruire comme un puzzle. Et à chaque fois, donc j'adapte la technique au groupe que j'ai en face de moi. Donc ce qui est plutôt très intéressant parce que du coup j'ai maintenant une somme de un tas d'exercices à faire pour se mettre en lien avec la forêt et faire bouger sa structure inconsciente et aller reconnecter des ressources. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, bon week-end à vous et à la prochaine vidéo, salut.